François Gilbert, je suis adjoint au maire donc à Parthenay et vice-président de la communauté de communes en charge particulièrement du numérique. Il est vrai que je suis élu depuis 2001 sur ce dossier-là et je travaille avec une étroite collaboration avec l'association Ville Internet, puisque Parthenay, c'est vrai, est des villes pilotes dans le développement des technologies. Ce qui m'a passionné dans ce dossier, c'est bien évidemment toute la partie innovante, toute la partie innovation que l'on peut mettre en œuvre sur les territoires pour favoriser le développement des usages numériques qui, en effet, depuis les années 2000, sont toujours de plus en plus nombreux et de plus en plus utiles dans le cadre de la démocratie. Sur Parthenay, il y a bien évidemment eu de nombreuses innovations, mais on a travaillé principalement sur l'accompagnement des agents, hein, tout simplement des agents et des élus de la collectivité. Et puis, parce que pour nous, il était important que les agents aient une culture du numérique pour avoir un service public plus moderne. Mais au regard de cette modernisation, nous avons également travaillé pour les usagers en développement des espaces publics numériques. Les premiers espaces publics numériques sont nés dans beaucoup de collectivités, mais également sont nés à Parthenay. On a travaillé sur un portail territorial qui a pour objectif d'apporter bien évidemment tout un tas d'informations à l'ensemble de nos citoyens, mais aussi d'être suffisamment collaboratif pour que le monde associatif puisse également participer à cette vie citoyenne. Il me semble également qu'aujourd'hui, dans le cadre de la réforme territoriale, en tant que vice-président en charge du numérique sur la communauté de communes, on doit faire un travail d'accompagnement de l'ensemble des maires et des élus. Et ça, c'est vraiment nécessaire pour que les enjeux du numérique se développent. Chez nous, sur la communauté, on a des outils qui sont tout à fait performants, comme la carte de vie quotidienne, et je présenterai principalement celui-ci, cet outil-là, qui a pour objectif de payer les services publics en ligne, de rendre accessibles certains bâtiments avec cette même carte. C'est-à-dire c'est tout un bouquet de services accessibles avec un outil numérique que nous développons maintenant. Et c'est vrai que depuis que nous sommes en nouvelle communauté, avec 39 communes, notre principal travail est actuellement le déploiement de cette carte de vie quotidienne qui favorise énormément les usages avec la collectivité. En tant qu'également trésorier de l'association Ville Internet, je me suis engagé dans cette démarche-là avec le maire et président Xavier Argenton afin de faire un travail de sensibilisation de l'ensemble des communes. Et je trouve que le travail que l'on fait dans l'association, maintenant depuis des années, porte ses fruits, suit les exigences attendues par la nouvelle gestion des collectivités et suit également les attentes que peuvent avoir les citoyens. En tout état de cause, je pense qu'il y a des enjeux maintenant qui sont forcément très importants. C'est qu'il y ait des correspondants d'élus au numérique sur l'ensemble des villes, des villages, des territoires. Qu'il y ait, grâce au travail de l'association, une information et une initiation aux enjeux du numérique, une sensibilisation très forte aux enjeux du numérique, afin que tout cela sert bien évidemment à nos citoyens.